Est-ce que... Moi, j'aurais jamais pu. La preuve, tu nous as sorti un scénario digne d'un film américain. Tu devrais faire le cinéma, hein? Ça, c'était pour te faire plaisir, ma belle. À ta place, je lui aurais donné une bonne claque, crois-moi. Hein? À ta belle-mère? À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus, plus. Abby, ma chérie. Je voulais qu'on discute au sujet du régime matrimonial que nous allons choisir. J'ai remarqué la dernière fois que tu redoutais avoir beaucoup d'enfants. Je suggère le régime polygamique au cas où. Hey. Oh, calme-toi, c'est juste pour rire. Ce n'est pas la première fois que tu y fais allusion, alors je préfère que nous en parlions. Je préfère savoir exactement avec qui je m'apprête à m'engager, vas-y. Vide ton sac. Abby. Abby. Abby, ma chérie. Abby. Abby, réponds-moi. Maman. Maman. Abby. Abby. Abby, réponds-moi, s'il te plaît. Maman. Chers messieurs et dames, nous sommes heureux d'être ici pour célébrer l'union entre ces deux êtres qui s'aiment. Nous vous prions de faire preuve de silence et de patience afin que tout ceci se déroule dans de bonnes conditions. Ainsi, plus vite nous finirons, plus vite ils prendront le chemin pour consommer leur lune de miel. Amis invités, je vous demande d'accueillir comme il se doit. L'élu du jour. En ma qualité d'officier d'état civil, c'est toujours un véritable plaisir et un grand honneur de rencontrer de nouveaux tourtereaux qui ont fait le choix de l'engagement mutuel. Le fait de choisir le terrain du mariage pour y bâtir votre amour et le voir s'épanouir est à la fois un engagement civique et moral qui demande le respect mutuel et une fidèle assistance de chaque jour. Moi et tous ceux présents en ce lieu, nous vous souhaitons des jours de bonheur. Mais nous savons tous qu'il y aura aussi des jours de malheur. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est dans ces moments de difficulté que la force, l'amour, la constante application de chacun dans cette union que vous avez décidé d'officialiser aujourd'hui prendront toute leur valeur. De par ma fonction d'officier d'état civil, il m'incombe de vous rappeler ces valeurs du mariage.
Cela étant donc fait, j'aimerais que quiconque susceptible, pour quelque raison que ce soit, de s'opposer à cette union, de se manifester maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Détendez-vous, c'est une blague. Félicitations à toi, mon cher Miwake. Excusez, monsieur le maire. Aza se fait toujours remarquer ses caractéristiques chez elle. C'est ce que j'ai remarqué. Du haut de mes 10 ans de carrière, c'est la première fois que je vis une telle ambiance. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Je crois que ce silence, c'est pour dire non. Maintenant, j'aimerais savoir, quel régime matrimonial avez-vous choisi? Régime monogamique. Et concernant le système matrimonial, quel est votre choix? Les deux mélangés. Monsieur le maire, communauté des biens. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Wake, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Abedi, ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle Abedi, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Wake, ici présent? Oui, je le veux. Bien, je vous en félicite. Que l'on nous apporte les anneaux afin que le couple puisse se présenter leurs vœux l'un à l'autre. Je jure de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je jure de t'aimer tous les jours de ma vie, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Tinda, Tinda, ma fille, va remettre les anneaux. C'est le moment. Abedi, je t'aime. Je me tiens devant toi et tous nos proches ici présents, car je suis l'homme le plus heureux de la planète Terre. Certains hommes sont constamment à la recherche de la perle rare, mais ne la trouvent jamais. Je fais partie des chanceux, car je t'ai trouvé, Abedi Onana. Abedi, je t'aime de tout mon cœur. Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Je promets de ne partager ma vie uniquement qu'avec toi. Yes, sir. Je promets de toujours te dire la vérité, d'être toujours là pour toi, de t'encourager dans toutes les réalisations de tes projets, yeah, à t'encourager dans tous les changements de ta vie. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Cameroun, je vous déclare mari et femme. Pas du tout. Excusez-nous de vous interrompre dans l'exercice de vos fonctions. En fait, ma moitié et moi, on a un grand service à vous demander. Mais je suis disposé à vous aider dans la mesure du possible. De quoi s'agit-il? Est-il possible pour vous de célébrer un second mariage? Là, maintenant? Oui. Vous deux? Oui. Oui. S'il y a des alliances, pourquoi pas? À votre attention, s'il vous plaît. Eh bien, vous êtes venu assister à ce magnifique mariage. Vous avez vu, vous avez vécu et vous êtes laissé submerger par l'émotion qui s'y dégage. Eh bien, nous aussi. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il y aura un deuxième mariage aujourd'hui. Oui, un mariage surprise. Et comme je l'ai dit tantôt, qui dit mariage surprise dit mariage pas préparé du tout. Donc, s'il vous plaît, nous allons demander à un couple de personnes qui ont l'amabilité de bien vouloir nous prêter leurs alliances pour que nous puissions réaliser ce mariage ici et maintenant. Merci. Monsieur le maire, nous avons des alliances. Ah, j'espère que ce ne sont pas des joies. Ah, vous aussi, monsieur le maire. Bien, préparez les documents pour le second mariage. Ok, monsieur le maire. Bon, la secrétaire va préparer les documents. Il y a Ferrand. En attendant, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Merci. Tu veux. Voilà. S'il vous plaît, bon, c'est Annie. Okay, d'accord. C'est à la tienne. Sinon, la cérémonie est en train de très bien se dérouler. Hein. Ma copine, tu vois ça? Le jour du mariage de son fils, elle se marie. Maman, quelle chance! Heureuse! Beau mariage, t'es dit! Trop beau ce couple, t'es dit! Oh là là! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui sait manipuler l'appareil photo? Je m'y connais. Merci. Normalement, c'est pas compliqué. Ça va, je maîtrise ce genre d'appareil. Super. Merci. Célébrer un deuxième mariage surprise avec des alliances appartenant aux invités du premier mariage. Du haut de mes 10 ans de carrière, c'est la première fois que je fais une chose pareille. Nous vous remercions énormément pour votre compréhension, monsieur le maire. Je vous en prie. Ça me fait tout autant plaisir qu'à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui s'oppose à cette union? Non. Je vais donc passer la parole au fiancé pour l'échange des vœux. Yes.
mon amour. Tu me connais. Tu connais l'amour que j'ai pour toi. Mais par contre, ce que tu ne connais pas, c'est que ma vie sans toi, désormais, n'a plus de sens. Devant tous nos amis, devant toute la famille, devant tous les invités, je voudrais te dire que désormais tu es la boussole qui dirigera mon bonheur aussi bien demain, après-demain, qu'à jamais. Mon amour, devant ce public chaleureux, je te donne solennellement mon amour et ma loyauté. Oh ouais. Je serai pour toi une femme aimante et soucieuse de ton bonheur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Cameroun, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Toutes mes félicitations, collègue. Oh, merci, collègue. Ça fait déjà 2 points d'avance que tu as sur moi sur le même mois. La bonne nouvelle, c'est que pendant ta période de noces, j'aurai le champ libre pour pouvoir récupérer tous les projets du cabinet. C'est pas possible. Tu ne t'arrêtes donc jamais à ce que je vois. Jamais, jamais. Tu sais, c'est l'échelle de Maslow, niveau 5. J'ai toujours ce besoin de me développer, m'accomplir et réussir. C'est très admirable de ta part, camarade. Merci. Excuse-moi un instant, s'il te plaît. Mon oncle, comment vous allez? Je suis très heureux, mon fils. Mes félicitations. Merci. Ou devrais-je dire mes doubles félicitations? Je vois qu'elle vous a déjà mis au courant de sa grossesse. Vive les mariés! Vive les mariés! Non, félicitations. Merci. Félicitations. Oui, ma chérie. Hey. Félicitations. 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 Merci, merci. Il s'en est passé des choses. Hein. Ta mère a une nouvelle à t'annoncer. Eh oui. J'ai eu l'idée d'offrir à ma belle-fille et toi une parcelle de terre au village. Comme cadeau de votre mariage. Oh là là. Non. Merci beaucoup. Voilà. Merci maman. De rien ma chérie. Hey Stéphane, comment tu vas? Ça va, merci. Désolé pour le retard, j'ai eu un showcase qui a duré plus longtemps que prévu. Ah d'accord. Mais je vois que tu es marié. Oui, c'est vrai. Oh, j'arrive pas à y croire, tous mes vœux de bonheur. Merci, merci beaucoup. Hey, je te présente ma famille. Lui, c'est Stéphane Akam, il est musicien, ok? Elle, c'est Abedi, ma belle-sœur, tu as son oncle. Tu as Waka, mon beau-fils. Et là, c'est ma chérie. Ouais. Enchanté, je me présente, je suis Stéphane Akam, artiste musicien. Enchanté. Enchanté et bienvenue. Merci. Allez, viens, 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 j'ai quelque chose à te montrer. Non, viens par ici. La famille démarre. Excusez-moi un moment, je vais dire un mot à Joya. Mon oncle. Maman. Oui, chérie. La surprise était vraiment... maman. Ouais. Excuse-moi un instant, s'il te plaît. T'en fais pas. Oui, non. Oui. Dis-moi, finalement, qu'est-ce que vous avez décidé par rapport au concours et au voyage à l'étranger? Il voyagera seul. C'est juste pour quelques mois et pendant ce temps, je vais superviser les activités au restaurant en attendant son retour. Je te connais travailleuse et il se rendra compte qu'il n'a pas eu tort de mettre sa confiance en toi. Et qui sait,
Peut-être à son retour, on se retrouvera dans ce même espace. Excuse-moi un instant. Il faut vraiment que tu m'écoutes. J'ai... Hey, Abby ne doit pas te voir ici. Et il a raison. Je ne veux plus te voir traîner à côté de mon mari. Désormais, ton loyer sera payé par virement. Et c'est tout. Écoutez, madame, je ne suis pas là pour gâcher la fête. Je tenais juste à dire merci à mon ami. J'allais dire à Wake. Ce que tu m'as dit l'autre jour m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai pris la résolution de faire comme toi. D'arrêter de jouer et d'investir mon attention et mon argent dans des choses plus constructives. Je suis venu également te proposer d'être mon architecte. Car avec le peu d'héritage qui me reste, j'ai décidé de me lancer officiellement dans le secteur de l'immobilier pour faire davantage fortune. C'est une option que nous allons juger et vous donner notre réponse le moment venu. Qu'en est-il de ta famille? C'est pas grave. Je prends ça comme une leçon de vie. Cela me permet d'évaluer ce que le casino m'a pris. J'y penserai chaque fois que je serai tenté d'y retourner. Tous mes vœux de bonheur, mon frère. Tommy. Je pense que mon fils et toi, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et franchement, j'aimerais assez que vous collaboriez ensemble. Il a beaucoup de choses à apprendre. Bien entendu, tu es d'accord. C'est sans souci, ça tombe même bien. Actuellement, studio, je travaille sur un nouveau son. Donc, tu pourras passer quand tu pourras et tu me donneras ton avis. Avec grand plaisir. Tu me donneras juste le lieu et la date, je serai là. Photo de famille. Ah, le devoir m'appelle. Allez. Signé Blaise Options, la pièce unique.